Nous sommes contents ce soir d'être encore avec vous de venir dans vos maisons avec la parole de dieu avec assurance ce soir j'ai envie de revenir sur ce que nous avons parlé la semaine dernière la semaine dernière nous avons le premier Message était sur la conscience. Je vais revenir un peu sur cet aspect-là. J'ai eu beaucoup de retours et moi-même aussi, j'ai continué à fouiller. La conscience, c'est ce qui te permet de comprendre qui tu es et ce que tu dois faire. Dieu lui-même, d'abord, il t'a créé il t'a donné une conscience et il t'a donné un subconscient. La conscience c'est la faculté qui te permet de prendre des décisions. Mais maintenant dans ce siècle ici, plusieurs endroits on veut faire prendre conscience aux chrétiens, aux hommes de la présence des démons, de la présence des esprits mauvais, de la présence négative. Et ça c'est très mauvais. Parce que c'est ce qui conduit à la peur. Combien de gens restent en train de donner toutes sortes de demandes, esprits, machins, tout ce, toutes ces choses. Mais moi aussi, j'ai envie ce soir de te, que tu puisses comprendre quelque chose de très important. Dieu aussi, il a pris conscience. La Bible déclare que le monde était vide. Le monde était... Ténébreux, le monde était détruit. Dieu a pris conscience de l'état dans lequel le monde était. Dieu a raisonné et Dieu a dit Ok, il est arrivé un moment où je dois créer le ciel et la terre. Genèse chapitre 1, où Dieu a créé le ciel et la terre. Mais le ciel et la terre étaient dans un tohu-bohu. Et comment Dieu a-t-il créé il a créé en disant, en parlant. Jean chapitre 1 nous dit, tout a été créé par la parole. Donc la parole est la parole créatrice. Mais il nous dit une chose, il y avait l'eau et il y avait l'Esprit Saint qui s'est mouvé au-dessus de l'eau. Je reviendrai un jour pour parler de la présence, de l'importance de l'eau. Et l'Esprit s'est mouvé au-dessus de l'eau. Et l'Esprit attendait des paroles jusqu'à ce qu'il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce que je dis, Dieu a pris conscience que maintenant, tu dois faire quelque chose. Où était la lumière Dans 1 Jean, il est écrit que la lumière, il est le père des lumières. Jean, chapitre 8, nous parle que Jésus est la lumière. En d'autres termes, dans Matthieu, dit que toi aussi, tu es lumière. Donc, il faut que tu prennes conscience que tu es la lumière. Et tant tu prends conscience que tu es la lumière, donc dans ton entreprise, dans ce que tu fais, donc quand tu prends conscience de ta nature étant lumière, et quand tu peux éclairer, là où il y a les ténèbres, toi étant lumière, là où il y a la mort, il y a la destruction, la pourriture, toi tu apportes la lumière. Il faut que tu prennes conscience de cette nature qui est en toi, que tu es lumière. Et lumière, si toi tu es lumière, c'est qu'il y a des autres qui sont ténèbres. Alors, c'est toujours dans le monde la dualité. D'un côté, il y a le noir, il y a le blanc, d'un côté, il y a la vie, il y a la mort, d'un côté, il y a la lumière et d'un côté, il y a la ténèbre. Et en connexion, il nous dit que nous avons été rachetés de la puissance des ténèbres. S'il y a la puissance des ténèbres, et il nous a transférés dans le royaume du fils de son amour, donc il nous a transférés dans la lumière. Tu es lumière. Prends conscience que tu es lumière. Donc notre travail, c'est pour dire que tu puisses libérer le potentiel qui est en toi. Quand il a dit que la lumière soit, quand il dit la lumière, il ne parlait pas du soleil ou de la lune. Tout ça, le soleil la lune sont venus, les astres sont venus plus tard. Donc la lumière est une personne. Je dis que la lumière est une personne. Et toi, tu es lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde, la lumière de la famille, la lumière de l'entreprise, la lumière de l'église, la lumière, tu es la lumière. Il faut que tu prennes conscience que je suis lumière. Et parce que je suis lumière, tu prends cette conscience, ce raisonnement, c'est ta nature, et tu peux écarter ce qui est lumière. Et quand Dieu a pris conscience de ça, il a fait sortir la lumière qui était en lui, il a dit que la lumière soit, il prend conscience. Il prend conscience. Les ténèbres, c'est la pauvreté. Les ténèbres, c'est la mort. Les ténèbres, c'est la maladie. Les ténèbres, c'est la disette. Les ténèbres, c'est le manque. Le ténèbre, c'est le manque. C'est le manque. Tu es la lumière. Voilà pourquoi Jésus est le bon berger. La lumière est le bon berger. Donc, tu peux être capable de remplacer là où est marqué Jésus. Tu peux commencer à faire cet exercice. Après la place de Jésus, tu parles lumière. La lumière est venue. La lumière a marché sur l'eau. La lumière a dit. La lumière a dit. Donc la lumière parle. Et toi, en tant que lumière, donc quand tu parles, tu injectes la lumière dans la situation. Tu injectes la lumière dans tes finances. Tu injectes la finesse. Donc la lumière est venue et la lumière peut partir. La lumière a quelque chose d'important ce soir, je suis venu parce que je vais te parler des dieux d'alliance. Dieu d'alliance, c'est quoi C'est une relation. La relation que Dieu a fait avec les hommes et ces alliances ont commencé avec Adam et Ève. Malgré la chute, malgré tout ce qu'il y a dans le monde, on parle des diverses alliances, l'alliance avec Moïse jusqu'à ce qu'on dise il a fait avec nous une nouvelle alliance, une nouvelle relation. Et dans une alliance, c'est une alliance éternelle. Et je veux que tu saches aussi ça, que tu sois conscient, que tu sois conscient dans ton raisonnement que tu as une alliance avec Dieu. Et dans une alliance, qu'est-ce qu'il t'a dit Dans un contrat, dans des choses, il, il a dit, il y a des choses qu'il t'a dit. Mais j'ai envie de prendre avec vous ce premier passage de la Bible dans Deutéronome chapitre 8 Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir il te donnera l'autorité il te donnera la capacité pour acquérir tu as besoin de cette capacité pour acquérir il te donnera la capacité pour atterrir afin de confirmer Dieu donne toujours l'explication, la confirmer. Dieu veut que tu confirmes l'alliance afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a fait avec vos pères. Donc vous comprenez ici que quand tu es né, tu n'es pas né avec les lois du pays. Tu n'es pas né avec les lois de la famille. Tu n'es pas né avec l'organisation dans laquelle tu es. Et même quand tu es né, il a fallu que des gens prennent soin de toi, t'appellent des couches, des habits et tout ça. Et pour que tu grandisses, tu arrives au lieu où tu es. Et Dieu dit que... Mais Dieu dit, écoutez, il y a une alliance, il y a un contrat, que j'ai fait avec vos pères. Et moi, il te dit, maintenant, toi qui arrives là, qui viens dans ce monde-là maintenant, il te donne l'autorité pour confirmer ce qu'il a déjà établi comme alliance, comme contrat, comme engagement. Donc, tu arrives en d'autres termes avec déjà des choses déjà établies pour toi. Établies pour quoi Pour ton intérêt, pour que tu puisses grandir à l'aide de la fin. Et il dit quoi Si tu oublies éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux et tu ne les sers pas et tu te procèdes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Mais il dit que. Vous péririez comme les nations que l'Éternel a fait. Mais quand il te dit, ma, ma confiance, ma, il te dit, il a fait avec toi une, il a fait une alliance pour que tu puisses acquérir l'or, l'argent, que tu puisses acquérir, que tu puisses, euh, euh, que tu puisses jouir de tout ce que tu as besoin. Et pour jouir de tout ce que tu as besoin, tu as besoin d'avoir une autorité. Et quand tu as l'autorité, il faut maintenant que tu prennes conscience dans l'autorité, la capacité. Tu as la capacité. Parce qu'il y a une alliance. Et quand tu sais qu'il y a une alliance, ton point de vue change. Ton mindset change. Ton assurance change. Oh, j'ai cela ce soir pour te dire, il a fait avec toi une alliance basée sur le, de, 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 le, le meilleur promesse. Une alliance, c'est quoi Et dans, dans la nouvelle alliance, plutôt, dans l'alliance, il y avait l'alliance conditionnelle avec Moïse. Dans l'alliance avec Moïse, il y avait des conditions, si tu obéis, si tu fais, si tu fais, si tu fais. Et Dieu s'est rendu compte qu'ils n'ont pas pu respecter les clauses de l'alliance. Voilà pourquoi il a dit, écoutez, je vais m'entendre maintenant. Je vais faire, le Père et le Fils se sont entendus. Ils ont fait une alliance. Et cette alliance, elle est basée sur le sang de Jésus-Christ. Oh, je suis là ce soir pour te dire que c'est une alliance qui a déjà été faite, qui est sûre. Que tu prennes conscience. Que tu prennes conscience qu'il y a un contrat. Un contrat, une alliance, elle est plus qu'un contrat. Et c'est une alliance éternelle. Le Père et le Fils se sont entendus. Le Père et le Fils pour que ta guérison, pour ta victoire, pour, tout, pour que tu ailles de l'avant. Mais maintenant, quel est ton devoir C'est si que tu puisses comprendre cela. Quel est ta, ta, de, quelle est ta, ta responsabilité Ta responsabilité, c'est l'enseignement. C'est pourquoi il dit Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le meilleur avocat, c'est celui qui connaît la loi. Le meilleur avocat, c'est celui qui peut donner les articles qu'il faut. Et pour donner ces articles, il faut, il faut lire, il faut lire les jurisprudences, et il faut avoir un raisonnement. Le juge est dans un raisonnement, la partie adverse est dans un raisonnement, mais il vient avec des arguments convaincants. Et tous ces arguments, il va les voir parce qu'il faut étudier. Mon ami, ce soir, je vais te dire que tu prends conscience qu'il y a une alliance qui est faite avec toi. Et quand. Donc voilà pourquoi à un mariage, il y a un engagement entre un homme et une femme. Et par, après le mariage, il y a les enfants qui viennent. Mais les enfants ne sont pas là avant l'alliance. Les, les enfants sont le fruit de l'alliance. Les enfants viennent parce qu'il y a eu un contrat, un engagement entre un homme et une femme. Ils sont le fruit. Et toi et moi, nous sommes le fruit de l'alliance avec Dieu. Quand l'enfant vient, il pleure. Les parents ont le devoir de lui donner du lait, de lui donner de la nourriture, de le soigner s'il est malade et de, 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 de le préserver, de l'amener à l'école, de faire tout. Ce soir, je veux que tu prennes conscience de la relation qu'a a le père entre les fils. Il y a une alliance basée sur le meilleur promesse. Et cette alliance, tu as un héritage. On ne travaille pas pour un héritage. Un héritage, c'est quelque chose qui est mis à place, que les autres qui sont là devant toi ont travaillé pour que tu deviennes héritier. Tu es un héritier. Encore là, tu es responsable de connaître maintenant l'héritage, les testaments, les clauses. Tu as un héritage. Même ta façon de prier, de parler et de réclamer, c'est l'héritage. Tu as un héritage. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, ta façon de prier, de te comporter, ou surtout pourquoi le but de l'enseignement? Le but de l'enseignement, c'est que tu puisses changer tes connaissances, tes connaissances le mindset, ta pensée, ta réflexion, ta façon de voir. Donc, tu, tu sais, parce qu'il y a une alliance qui a été faite pour toi, pour que tu puisses bénéficier. Dans cette alliance, Dieu a promis de te donner son pouvoir, sa puissance. En d'autres termes, tu deviens un modèle dans ta génération. Et là, tu dois apprendre à parler, tu dois apprendre à réfléchir, à raisonner. Voilà pourquoi il y a des mentors. Par exemple, quand, dans Josué 1, on dit que Dieu vient et dit à Josué, écoute Josué, Moïse est mort, ton mentor est mort, ton modèle est mort. Question, est-ce que Josué ne le savait pas Josué le savait parce qu'ils ont eu 40 jours de deuil. Et il lui dit maintenant... Josué, tu étais au service de Moïse. Tu t'es servi Moïse. Tu as été obéissant. Maintenant que Moïse, l'ère de Moïse, le temps de Moïse est fini, les lois de Moïse sont finies, maintenant c'est ton temps. Je, tout ça, c'est la connaissance. Quand Dieu parle à quelqu'un, c'est que tu tiens. Moïse, maintenant, Josué, c'est ton temps de prendre le règne. Maintenant, c'est toi de prendre le leadership. Maintenant, comme je vous ai dit la semaine dernière, il n'y a pas de leader sans suiveur. Et quand tu prends le leadership, tu prends avec une mission, avec un schéma, avec, et donc avec une mission de vie. La raison pour laquelle David et Jésus prenaient le leadership, c'était pour faire entrer Israël dans la terre promise. En d'autres termes, c'est que Dieu avait déjà promis. Dieu avait promis un pays où coule le lait et le miel, d'un pays où il y a toutes sortes de bonnes choses. Et maintenant, toi, Josué, ton rôle est d'entrer dans cela. Oh, je me dire à quelqu'un ce soir tout ce que tu désires existe déjà. Il n'y a aucun enfant qui est né avec les couches. Tout ce que tu désires existe déjà. Mais ce que tu as fait, c'est de changer. Ta façon de réfléchir et quand jésus a pris le que donc le leadership il a dit dieu lui dit tu sais ce que j'ai dit à moïse j'ai dit à moïse tout lieu où foule la plante est de ton pied je te le donne donc Dieu, Dieu dit que ce que j'ai dit à Moïse, je te l'aurai dit toi aussi. Je te donne les instructions, je te donne la façon de fonctionner. Le grand problème qu'on a aujourd'hui avec la génération, c'est qu'ils n'entendent pas ce qui a été dit à la génération présente, à la génération qui est passée. Et parce qu'ils ne sont pas appris ce qu'il a dit là, et Dieu a dit, tout lieu fera la plante de pieds. je te donne. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et Dieu lui dit, comme je l'ai dit à Moïse, comme le dit à Moïse. En d'autres termes, avec les instructions que tu as, c'est le, les instructions de réussite. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La nouvelle alliance avec laquelle tu as, c'est une nouvelle alliance qui te permet de réussir. Bien-aimé, nous sommes dans ce temps où nous avons dit que c'était un entraînement, un entraînement des champions. Les champions, avant d'aller au combat, ils sont entraînés. Et le première, premier entraînement, c'est le mindset, la pensée, la façon de réfléchir, la façon de se comporter, les techniques. Quand tu vas arriver sur le ring, quand tu vas arriver dans le stade, Paul parle du stade, quand tu vas arriver dans le stade, tu as déjà subi un entraînement, un entraînement. En d'autres termes, avant d'arriver sur le stade, tu as eu un temps de préparation. Ce soir, je suis là pour te dire qu'il y a une alliance. Dans ta préparation, je veux que tu prennes compte qu'il y a une alliance et que toi maintenant, mais qu'est-ce qui peut t'empêcher de comprendre et d'agir selon l'alliance Ce qui peut t'empêcher, c'est le manque de connaissance. Tu dois connaître ce que Dieu a établi pour toi. Oh, il y a une alliance basée sur les meilleures promesses, l'alliance des réussites. En d'autres termes, tout ce que tu désires existe déjà. Tout ce que tu as besoin existe déjà. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ce qui est le plus important dans ça, c'est que tu dois comprendre l'importance du, du service. Demain, je vais vous parler de l'importance du service. Il a dit, tu as été serviteur de Moïse. Tu dois apprendre à servir euh, de, ton mentor, tu dois apprendre à servir ton leader, tu dois apprendre à servir. Tu ne peux pas être serviteur si tu n'as pas appris à servir. Si tu as appris servi à servir, toi aussi, un jour, quelqu'un va te servir. Apprends, mets-toi au service de quelqu'un. Et tu ne peux pas manquer d'avoir un, un mentor. Un mentor, il y a des gens qui payent pour avoir un mentor. Un mentor, c'est celui qui est passé avant c'est que tu es en train de faire, qui est passé, qui a eu des problèmes, qui dit, qui est capable de te prendre par la main pour te dire, fais attention, là, il y a un puits, fais attention de faire ceci, cela. Un mentor te fait gagner du temps. Un mentor te fait gagner du temps, il te fait gagner de l'argent, il te fait gagner de l'énergie. Un mentor. Un mentor, tu as besoin de mentor pour arriver dans ce stade d'entraînement. Tu as besoin de mentor, tu as besoin d'une direction, tu as besoin du leadership, tu as besoin. Mais laisse-moi te dire ce soir, je vais te dire qu'il y, y a déjà, tu n'es pas né avec la constitution, tu n'es pas né avec les lois, ce sont les lois que tu as trouvées. Mais maintenant, ce que je suis là pour te dire, c'est pas que tu sois conscient de problèmes, mais que tu sois conscient des choses de l'héritage qui est à toi. Je suis là pour te dire que Dieu t'aime. Dieu a un plan pour toi, un plan de réussite. Et pour terminer, dans cette alliance, qu'est-ce qu'il a dit à Josué Médite ma parole jour et nuit afin de réussir. Il a dit que ma parole ne soit pas loin de ta bouche. Dans ça, tu dois apprendre à parler. Donc, en d'autres termes, tu dois avoir quelqu'un qui va te corriger. Quand tu auras à parler mal, tu dis non, non, ne parle pas comme ça. Ah non, non, non. Parce que tu ne peux pas te corriger toi-même. Tu n'as pas l'onction pour toi-même. Tu t'appelles pour toi-même. Donc si Moïse, donc si Paul a dit par la Timothée il dit non, Timothée, tu as l'onction, tu as la puissance, tu as reçu l'esprit des saints. Maintenant rallume ce que tu as déjà reçu. Tu as il y a des problèmes qui se votent. Ok. Tu dois pas être conscient des problèmes dehors, mais tu dois être conscient de la puissance qui est en toi. Mais dites ma parole jour et nuit afin de réussir. Et nous nous disons ce soir, quand tu connais l'Alliance, le thème, c'est 100% de réussite dans 100% des situations. 100%, quand tu médites la parole de Dieu, jour et nuit, tu as la réussite totale. Et à cause du sang de Jésus, basé sur le sang de Jésus, je déclare à toi qui m'écoutes ce soir, toi qui entends ma parole ce soir, le son de ma foi ce soir, je dis que je te transmets la lumière. Que la lumière soit dans ta vie, que la lumière soit dans tes finances, que la lumière soit dans ta maison, que la lumière soit dans tes affaires, dans ton entreprise. Ce qui veut dire que je chasse les ténèbres, la pauvreté, la maladie, la mort et chassez dans le nom de Jésus. La parole, c'est la lumière. La lumière, ta parole est la lumière à nos pieds. Que Dieu te bénisse.